chaîne de Lou. On est sur Assassin's Creed Odyssey. Donc, je vais vous laisser avec la scène cinématique du jeu et on reprend après directement on est avec le gameplay. Donc, je vous dis à tout de suite. Les titres, ok. Donc là, on est dans le menu. Donc je lance le jeu maintenant. Je ne l'ai pas encore essayé parce que j'ai dû télécharger la mise à jour et tout. C'était un gros pack avec la Season Pass, les DLC. Donc ça a pris un peu plus de temps que prévu. Donc maintenant je vais le lancer quoi. Donc je vous dis à tout de suite, je vous laisse la scène cinématique. Bon live. Il faut quand même qu'on voit. Ouais, c'est du coup ça. Voilà. Comme dans l'eau, tac tac. Esquive allure de croisière. Ok, c'est bon. Ouais, c'est parti. Nous sommes prêts. Dis-moi, Dianekes, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils? Non, jamais. Non. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Un autre sort nous attend. Bien fait, les gens. Spartiate. Spartiate ! Voilà. Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez, maintenant! Les pères se sont venus ici, avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux! Qu'en dites-vous, Spartiates? Pour nos fils! Pour nos filles! Et pour Sparte! Ça y est,
Ça commence déjà bien, quoi. C'est une tuerie déjà, quoi. Et c'est un peu dans le genre du jeu Rise. Le premier jeu qu'ils ont sorti sur Xbox One, il est sorti. Je l'ai encore, ce jeu, il est terrible. Et là, c'est avec les guerriers spatiaux. Ça c'est normalement c'est pour esquiver. Oh putain. Okay. Joli le combo, joli. Encore un gros qui va m'attaquer. Oh, je brûle, là, putain. Ah. Qu'est-ce qui se passe? C'est une cinématique. Ouais. Chacun ferait cette faveur.
Ne te pas mal loin sans ton armée pour te protéger. Attention. Oui. Alors, pourquoi saigner du autant? Hop là. Terminé. Ah putain, les combos, ils sont terribles. T'as vu le combo? En fait, on a un super combo avec le X, le B, le X et le A, je pense. Si j'ai bien vu. Ça veut dire que ce sera des compétences qui pourront être améliorées. Donc je trouve ça génial. Trahison, mon roi. Xerxès connaît le chemin en tournant la montagne. Ils arrivent. À l'aube, vous serez complètement encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiates. Ce mot n'aura plus aucune valeur quand Xerxès aura anéanti sa nation. Aujourd'hui est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra. Waouh, c'est du lourd, Layla. Tu crois vraiment que c'est la lance? C'est bien elle. Le livre était juste au-dessus, ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose? Je veux dire, ce livre pourrait... Lance-le, Victoria. C'est toi le boss, boss. Je vais te le préparer. Bon alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te tente. Alors, nous, on va le faire tout de suite. On va pas le faire en facile. Alors je risque avec difficile ou normal au chemin normal parce qu'on n'est pas. Mais je pense qu'on va le faire en normal, on va pas. Non, c'est pas la peine d'aller trop vite. D'accord. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrai toujours modifier les valeurs plus tard. Ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'animus. Envoie-moi tout ce que tu as comme info. Je ne veux pas aller là-bas à l'aveuglette. Entendu. Tu pourras toujours changer d'avis plus tard. Écoute, Layla, avant que tu y ailles. Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homère. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts Issou, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais... Il faut que tu me fasses confiance. T'as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. D'accord. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel? Ce manuscrit est dans un sale état. Et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de deux individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. Ah.
Alors, on peut soit choisir Alexios ou Cassandra. Résultat de la recherche 2 correspondant trouvé. Choisissez bien car vous ne pourrez pas changer de personnage. Donc ce qu'on va faire, on va faire d'abord avec Alexios. Et puis on fera l'histoire avec Cassandra parce que ce sera deux histoires différentes. Donc ça c'est vraiment bien. On va d'abord commencer avec Alexios, avec Alex. On va faire dire Alex que Alexios. Et on fera avec Cassandra. Donc c'est deux histoires différentes, tu vois. Ça c'est le pied. Tu vois? Ouais, toi tu feras avec Cassandra et moi je ferai avec ceci. Donc moi je vais le faire avec Alex. Il nous mettra sur le bon chemin, j'en suis sûr. D'accord, boss. On va pouvoir y aller. Ah, on va génial. Pouvoir y aller. Direction l'an moins 4 ans. C'est le bon. Début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Bonne chance, je ne veux pas te mettre la pression, mais. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, et Victoria, lis-le ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. À tes ordres. L'île de Kefalonia. Un peu comme dans Origin, hein, c'était magnifique aussi. Hein. Mais apparemment, on va voir, ce serait une suite. De toute façon, c'est la suite de Origin. Hein. Ça, il faut pas se le cacher. Ça veut dire que la confrérie des assassins, elle a bien évolué. Parce que dans Origin, c'était au départ. Le départ des assassins. C'est là que va commencer la confrérie. Et que la confrérie s'est créée dans le Assassin Origin. Donc ici, c'est celui après Origin. Donc on va voir comment ça a évolué. Je pense que si j'ai bien vu, Bayek ferait un petit passage dans celui-ci. Dis à ton chef qu'il peut s'asseoir dessus. Qui peut s'asseoir dessus. C'est pour la semaine dernière. C'est pour la semaine dernière. Malaka. Malaka. Le cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. Alors vas-y. Approche un peu. Approche. Je vais te montrer. Il devrait le savoir. En perdant le gardien du temps. Le cyclope récupère toujours son argent. On va te donner une leçon. Si le cyclope se sent le noble précepteur, dis-lui de venir en personne. On ne se moque pas du cyclope. Pas du cyclope. Pas mal, pas mal. Technique de combat, ils ont changé des choses. Chaque semaine, c'est pareil. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Les techniques sont complètement changées, les mouvements pareil. Dans Origin, c'était déjà excellent les mouvements, les techniques de combat, mais alors dans celui-ci, merci de m'avoir prévenu. Ce sera encore mieux, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est rien, Foyibé. Tout est réglé maintenant. Encore le cyclope, hein. Il n'a pas encore compris. Faut croire que non. Bah voyons. Serre-toi, je t'en prie. J'ai la faim, Icaros.
Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Alexios ? Tu pourrais peut-être lui demander. Attends. D'accord. J'essaierai de lui en parler. Enfin. Bon. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine ? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison. Dans son vignoble. Attends. Un vignoble ? Malaga ! Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Alors. Depuis quand il a un vignoble ? Depuis hier, je crois. Donc, Marcos, qui me doit de l'argent, achète des vignobles. D'où il les sort, ces drachmes ? Je n'en sais rien. Et où est-il, ce magnifique, domaine de Marcos ? Tu vois la statue de Zeus sur le mont Aïnos ? C'est un peu plus au sud. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Fouibé. Je vais dire à Marcos que tu arrives. Oh, ma tête, Alors, vos choix auront des conséquences visibles et invisibles. Réfléchissez bien, car certains de vos actes influeront sur l'histoire à titre définitif. Voilà, je sais. Puis chez le camp où vous êtes mort. Ok. Dégagez. Et dites au borgne. Et s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. Là, j'aurais pu les tuer en fait. Voir Marcos. J'ai pas voulu. Mal, j'ai verrouillé, assassin. Marcos savait que ce serait le jeune Alexios. Mais je ne peux pas affronter les hommes du Cyclope avec ça. Ok. Il y a des trucs à récupérer, hein, sans doute. Fouibé a encore dormi ici. Fouibé, c'est la petite. La petite fille n'a pas de maison, ok. Je dois passer ça. Alors, il faut voir un petit peu ce qu'on a. L'œil intemporel, tête épique. Oh, 6% de dégâts de guerrier, 4% provenant d'ignorer, moitié dégâts. Ça, c'est ce qu'on a eu avec la grosse édition. Ah, il faut être niveau 5. Ok. Là, ça va être pareil. Ouais. Par contre, on va mettre ça en avant. Perte de temps. C'est tout un set d'armure, ça, en fait. Ouais, c'est le même set d'armure. Ah, génial. Jet quête. Une épée. La faucheuse de temps.
cette lance que je t'ai mis aussi facilement. Ok. Ça, c'est les aptitudes ici. Comme dans l'autre. Récupérer des points d'expérience vous fait passer au niveau supérieur et vous rapporte un point d'aptitude. On va dépenser une aptitude. De nouvelles aptitudes sont progressivement débloquées et peuvent être à terme améliorées. C'est une tuerie. Bon là, pour l'instant, on sait rien mettre. Ah si. Ça, c'est pas mal ça. Rendez-vous chaque forgeron pour graver votre équipement et apporter de nouvelles propriétés. Voilà, oh là, on peut fabriquer de nos propres armures aussi, ça va être génial. Des dégâts critiques à santé faible, des dégâts critiques à pleine santé. J'adore ce jeu. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment me... qui m'attire vraiment dans un jeu, c'est bien ça. Ah, il a bien évolué hein, par rapport à Origin. Origin était déjà pas mal au niveau des compétences, mais alors celui-ci... Ah, il a vraiment bien fait. Quoi. Bon. Là, on a mis ça. Ok. Inventaire, quête. Allez. On est parti pour notre première quête et on arrêtera. Sur ce let's play numéro 1, on reviendra un peu plus tard sur le let's play numéro 2. Donc là on y va. Hop. Donc là la flèche directionnelle vers le haut. Aller voir ce qu'il y a là-bas là. Ouais, on y va. Allez, c'est parti. Là, je pensais que c'était des plantes qu'on pouvait prendre, apparemment, non. On va récupérer des drives.
Ouais, il y a un truc ici. Parce qu'il veut dire par là. Là. Ok. Ici. Il y a mon cheval normalement, mais apparemment. Ok. Elle va l'attaquer. Il y avait un truc à récupérer ici. Il avait marqué en plus. Ça c'est bien parce qu'il va nous falloir la fourrure et tout. J'explore en même temps les loulous parce que moi j'aime bien explorer le jeu. Là ils foncerait directement à la quête, mais c'est bien de fouiner en même temps le coin. Vas-y papère. Ouais, tu vas un peu trop loin, moi je peux pas trop m'écarter non plus. Bon, faut récupérer ce truc là. Ah, ici déjà, voilà. Là on a du bois. Avant on avait la vue d'aigle. Oh, la carte elle est... C'est une belle carte. Ah ben les amis, tu as rendu ta faim. J'aimerais bien récupérer mon cheval. Ok. Donc là. Inventaire. Ouais, ok. On est bien.
Sablier, apparence épique. Ah voilà, belle monture. On n'aura pas encore maintenant. On aura ce... Oh! Bravo! Je vous épargne et vous me faites ça. Merci. Putain, on faut aussi une flèche. J'imagine que c'est le vignoble. Droit devant. C'est là. Voyons donc quel guépier tu t'es fourré cette fois, Marcos. Ouais, c'est parti. L'aigle interagit direct cette fois-ci. C'est un peu comme dans Origin aussi, il va très vite. Ok, terre des rêves perdus. Enfin, quand il grimpe, les mouvements ils sont vraiment bien fluides et tout, franchement, excellent. Ce qu'on va faire, on va aller... Ouais. On va aller chercher le point là. Chercher un point tout en haut et puis on descendra.
Hop là. Pas mal de choses à looter ici. Hein. Je regarde bien dans tous les coins. Moi. Statue, oh là 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 là, oh my god. Oh là là là, qu'est-ce que c'est de ça ici? Non mais c'est vrai que la statue en elle-même, c'est... quelque chose quand même. Bon allez. C'est où quoi? Oh my god, c'est où. Synchronisation, c'est parti. Ceci remonte également les aptitudes d'Icaros, notamment la perception et le harcèlement. Ok, bon, maintenant pour redescendre, c'est toujours comme avant ou pas? Ouais. Putain, ceux de là-bas. Oh. Bouquin, pas bouquin? Oh non. Il y a un bouquin en plein, mais non pas. Des pièces, des drames. Ah. C'est quoi ça, c'est... Il doit y avoir des cavernes en dessous de tout ça, quoi. On reviendra par après, là on va vers la quête. Ah, trouver des lignes. Ok.
l'impression d'avoir débloqué un truc là. Alors chasseur, guerrier, assassin, armure, santé. Il faut voler. Discret. Non, je te l'ai déjà dit, on peut pas faire ça. Et pourquoi? C'est ma ferme ici, je plante où j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir. Tous les raisins. Non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, tu... Alexios, les dieux soient loués. Phoebe t'a trouvé à temps. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'ils me trouvent. Mais c'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos? Un vignoble? Et pourquoi pas? J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien? Alors... Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne, ni faire du vin, voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite! Les grappes, ça pousse sur le sol, et ensuite on fait du jus. Ah, et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu me dois? Si j'ai l'argent que je te dois? Bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le, maintenant. Au plus vite, mon ami, au plus vite. Mais tu pourrais peut-être t'en charger toi-même? Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi? Ton argent t'attend tranquillement à Samy, mon ami. Qui est ce marchand? Duris. Tu le connais, Duris? Il est très gentil. Alors, Duris. Duris? Es-tu stupide? Arrête de lui prêter de l'argent. Il me rembourse toujours. Oui, seulement quand je le menace. Exactement. Et tout le monde y gagne. Duris obtient de l'argent, je touche mes intérêts, et toi, tu as du travail. Kefalonia est merveilleuse, non? Bon, comment je dois m'y prendre? Pas comme pour cette affaire d'huile d'olive. Tu étais allé un peu loin. J'ai été payé, surtout. Oui, mais maintenant, on n'obtiendra plus rien de lui. Si tu les tues l'un après l'autre, personne n'y gagne. Alors menacer les gens, mettre deux ou trois claques, ou casser un bras, d'accord, pas de problème. Vendre de l'argent, c'est le principal. Mais je ne me prive pas de mes clients. Sauf si c'est inévitable, ce qui peut arriver. Ok. Bon, où est-ce qu'il est, Doris? Dans une boutique de Samy, au-dessus des quais. Tu connais l'endroit, Alexios. Et il y sera? Tu me prends pour la pitié? Comment veux-tu que je le sache? J'espère qu'il a mon argent, Marcos. Tu n'as pas de vendre ton joli vignoble? Bien sûr que oui. Oh, ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien. Mais je prends un cheval. Il fait trop chaud. Et c'est trop loin pour y aller à pied. Mais... Prends ça comme des intérêts, Marcos. Tout le monde y gagne, après tout. Bien sûr, mon ami, bien sûr. Je te laisse choisir. Tu te laisses choisir, Kenny. Alors... Parle-moi de celui-ci. Le Skyros. Tu sais reconnaître une bête robuste, mon ami. Ce cheval aime autant les pentes qu'une chèvre.
C'est quoi son histoire? Ah! Tu as choisi une beauté, mon ami. Ce cheval vient de Thessalie, une race courageuse. Ok. Tout est bon pour les pentes, tout est courageux, robuste. Ah! Le Macédonien! On les élève pour le combat. Un vrai cheval de guerrier. Ouais, c'est parti pour celui de droite. J'ai fait mon choix. Alors, lequel veux-tu? Celui-là, à droite. C'est un choix intéressant. Mais cette race a quelques travers que tu ne connais peut-être pas. Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. C'est celui-là que je veux. Tu es sûr? Parce que... Celui-là, Marcos. Eh bien voilà, tout le monde y gagne. Et surtout toi. Tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos. N'oublie pas. Retrouve-moi au temple de Samy quand tu auras... demandé à Duris ton argent. Ah, Euterpe. Il reste plein de vin à vendre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment. Phoïdée a été enlevée. Par qui? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Timen. La plage? Elle sait nager? Je la retrouverai. Oui, va. Mais n'oublie pas ce bon Duris, Alexios. Voilà, première quête terminée. Par contre, mon cheval. Non, si, on peut pas lui mettre dedans. Ah! Voilà, c'est magnifique comme ça. Ah, faut être niveau 2. Ok. C'est les 4. Aptitude, on n'est pas encore. Bientôt la première aptitude. Cool. Ils n'ont pas encore mis... faire la quête directement. Surprendre ces malakès. Opa, opa.
je resserre ses cordes. Le cyclope va en tirer une jolie rançon. Personne ne me rachètera. Tout le monde est pauvre. Ah, tais-toi, Fouillé. Ces herbes hautes vont me cacher. Je ne peux pas laisser s'enfuir le reste de ces malakès. Qui a fait ça? Ce Marcos. Il est temps de sortir Phoebe de là. Alexios, je suis là. Détache-moi. Ton fourrure, quelque chose. Tu n'as rien? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont bâillonné pour que j'arrête de mordre. Phoebe, sois plus prudente. Tu es seule depuis... Depuis quoi? La mort de mes parents? Je ne crains rien. Tu es là pour moi. Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi. On est une famille. Faire mieux que ça. Accroche-toi, tu peux l'avoir. Encore. Debout. Oui, père. Un spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre. Prépare-toi. Écarte les pieds. Un soldat sait se tenir. Bien. Bien. Approche. Ça suffit, Nikolaos. Le soleil descend. Il est temps de manger, tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange la petite Cassandra. Ça va être un beau festin. Non, pas elle. Choisis-moi plutôt, j'ai bon goût. Oui, oui, tu es sucré comme le miel. Allez, rentrons. L'agneau va brûler. Tiens, dépose-la dans son lit. Oui, père. Alexios. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. Là-dessus qu'on va se quitter le loup et on reprendra demain avec le let's play numéro 2. Donc je vous dis bonne soirée, merci d'avoir suivi le live. Je vous dis à demain, ciao ciao, bisous bisous.